Messieurs, bonjour. Vous savez, de temps en temps, je reçois de la société et je me demande qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nous trouver comme ça. Et j'imagine que je ne suis pas la seule à penser ça. De temps en temps, je suis sûre que vous savez demander sur ça. Mais je connais quelqu'un, une dame, qui était très engagée par rapport à sa société. Une dame qui était médecin, qui a fait l'anthropologie, la psychologie. Elle était spécialiste en pédopsychiatrie. Elle a travaillé avec des enfants handicapés dans des cliniques pour les enfants malades mentales. Qu'est-ce que ça se passe avec ces sociétés, elle s'est demandé. Quand elle travaillait avec ses enfants, elle s'est rendue compte que ses enfants étaient négligés, que ses enfants répondait pas, son corps ne répondait pas à les stimuli extérieurs, d'un côté. Et de l'autre côté, les enfants étaient négligés pour les adultes avec lesquels ils vivaient. Donc, elle a fait des grandes recherches, des grandes observations, des observations scientifiques pour découvrir les besoins de l'enfant, comment est-ce qu'il apprend et qu'est-ce que sa société elle, en a besoin. Comme elle avait vécu la guerre, les deux guerres mondiales, elle ne pensait pas que c'était une société normale pour les enfants. Elle voulait avoir une société, une éducation qui va vers la paix. Mais il faudrait nous demander quelle sorte de société on voudrait pour ses enfants et quelle sorte d'éducation on veut pour ses enfants. Elle, avec ses recherches, elle a créé trois piliers. Trois piliers dans sa pédagogie active, où l'enfant, c'est le maître, où l'enfant, c'est l'acteur de sa propre éducation. Dans ce pilier de la classe Montessori, c'est l'ambiance préparée, l'éducateur et le matériel. Mais on peut penser aussi à l'ambiance préparée de la maison, l'ambiance préparée de la société. Quand je parle d'éducateur, ça peut être l'éducateur. Tout adulte qui est en contact direct ou indirect avec l'enfant, c'est un éducateur. Parce que l'adulte, il devient un modèle pour l'enfant. Et les matériels qu'elle a créés, on peut penser à un matériel que l'enfant peut utiliser dans la société, ou le matériel qu'il peut utiliser à la maison. Donc, qu'est-ce que ça se passe dans une classe Montessori? Maya Montessori, elle a découvert qu'avec cette ambiance préparée, l'enfant, pour apprendre, il avait besoin de l'ordre, un ordre intérieur et extérieur. Cet ordre va lui permettre de penser, d'agir. Quand on rentre dans une ambiance Montessori, dans une classe Montessori, et il y a des coins pour chaque matière. Et dans chaque matière, il y a des étagères. Et dans chaque étagère, le matériel est posé en ordre de difficulté. Et le matériel est présenté avec des plateaux. Et dans chaque plateau, il y a un ordre de présentation. Donc, l'enfant, il trouve l'ordre dont il en a besoin. L'enfant, pour apprendre, il a besoin de la concentration. Pas de l'intelligence, de la concentration. Si l'enfant, il arrive à se concentrer, il arrivera à apprendre. Et comment est-ce que l'enfant, dans son classe Montessori, il va développer la concentration? Depuis que l'enfant il est arrivé, dans son classe Montessori, l'enfant il va faire le raffinement de son mouvement, il va marcher doucement. Quand il va chercher le matériel dans son plateau, imaginez un enfant, un tout petit enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qu'il a un plateau avec des objets fragiles. Les objets, ils peuvent tomber, se casser, mais lui, il va marcher jusqu'au moment qu'il puisse aller travailler sur une table. Lui, il va se demander de donner le meilleur de lui. Avec cette concentration, il va trouver aussi un cycle de travail pour que l'enfant puisse se concentrer. Il y a un début de l'activité, il y a les processus d'apprentissage actifs et après, il y a la fin du travail. Il doit laisser son matériel sous l'étagère, dans la matière qu'il a prise, dans le même endroit et comme il l'avait trouvé. Aussi, il avait besoin de confiance en soi. L'enfant, dans une classe Montessori, comment est-ce qu'il va développer la confiance en soi? Parce qu'il va agir d'une façon autonome,
indépendant parce qu'il va avoir la liberté de parler, de bouger. Il va pouvoir, tous les matériels, toutes les matières qu'il va prendre, il les apprend à travers les sens. Tous les matériels vont les permettre de développer et d'agir par rapport à lui, ce qu'il est, et en même temps, il va avoir des activités qui sont réelles, qu'il va pouvoir appliquer dans la société, dans la vie quotidienne. Comment il fait lui-même? Il va développer l'autonomie, l'indépendance. Il va développer aussi « je sais faire, j'ai une bonne image de moi, j'ai confiance en moi, je crois en moi ». Mais aussi dans une ambiance Montessori, Maria Montessori s'est rendue compte que pour apprendre, on avait besoin des relations sociales. Oui, les relations sociales, on le fait tous les jours, dans tout moment. Donc, il faut mieux commencer dans la petite enfance, à pouvoir parler avec l'autre, à pouvoir échanger, à pouvoir s'entraider, à partager les apprentissages. Dans une classe Montessori, l'enfant, il apprend sa leçon et il va apprendre aux autres enfants. Dans le moment que l'enfant il apprend aux enfants, à ses camarades, l'éducateur il dit « ça j'ai fait mon travail, il est autonome, il peut transmettre ses connaissances ». Aussi, dans une classe Montessori, l'enfant il va décider s'il travaille tout seul ou avec quelqu'un, il va échanger par rapport à ses apprentissages. Donc, cette ambiance aussi, ça va permettre à l'enfant de développer la responsabilité. Je suis responsable de mon ambiance, c'est la classe de tous. Je suis responsable de comment je vais communiquer avec l'autre. Je suis responsable de comment je communique avec moi-même. Donc, l'enfant, il va développer les langages. Tout moment est important pour l'éducateur pour parler avec l'enfant, pour l'expliquer, pour enrichir le vocabulaire, pour parler de tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, c'est important pour lui la communication. L'enfant, dans une classe Montessori, il apprend à apprendre. Et dans la vie de tous les jours, on a besoin de ça. Donc, je reviens un petit peu par rapport au besoin de Maria Montessori de créer une éducation pour la paix. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la société pour que l'être humain il puisse créer la paix? On a besoin des gens qui ont un compromis avec la société. On a besoin des gens créatifs. On a besoin des gens qui communiquent. On a besoin des gens engagés dans la société. Si l'enfant, depuis sa toute petite âge, il pratique en vivant tout ça, l'enfant, il va pouvoir développer tout ce qu'il va faire dans la société. Voilà, je vous présente Maria Montessori. Maria Montessori, une scientifique qui a eu une grande évolution par rapport à son époque. Et Maria Montessori, elle a pensé que cette société devrait changer. Mais pour qu'elle change, il faut donner une éducation qui permet à l'enfant d'évoluer émotionnellement, psychologiquement, physiquement, neurologiquement, émotionnellement et aussi spirituellement. Sa pédagogie, c'est une pédagogie active. Je pense que vous avez entendu parler de la neuroscience. C'est très à la mode. Tout le monde parle de neuroscience. Ah, c'est nouveau, c'est magnifique. Mais vous savez quelque chose? La neuroscience, elle valide l'éducation Montessori. Parce que la neuroscience, elle constate que le développement de l'enfant s'est fait et ses apprentissages d'une façon active. Quand l'enfant, il fait pour lui-même. Quand l'enfant, il est capable de discuter par rapport à ses apprentissages. Quand l'enfant, il est capable de transmettre les connaissances. Quand l'enfant, il est capable de s'occuper de lui, de sa société. C'est là qu'on va faire l'impact dans la société. En même temps, comme la neuroscience valide tous les apprentissages et toute la pédagogie de Maria Montessori,
on peut dire que comme la pédagogie Montessori répond au développement psychologique, physique, neurologique, social, émotionnel de l'enfant, on peut penser que la pédagogie Montessori, elle est un ancré pour le développement de l'enfant. Et cette pédagogie va permettre à l'enfant d'agir d'une façon harmonieuse dans sa société, engagée, active, intelligente, vers une éducation de la paix. Donc, Maria Montessori est arrivée à son but. Maintenant, il faudrait vraiment la mettre en place dans le monde. Merci beaucoup.